Est-ce que les traits fins en tatouage ont tendance à se dilater avec le temps? La réponse est oui, et je vais t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, il n'y a pas que les traits fins, hein, ça fait ça avec tous les éléments d'un tatouage, c'est juste que ça se voit particulièrement sur ces derniers. En fait, un tatouage n'est jamais fixe. Ce qui se passe, c'est que l'encre, elle est composée de pigments trop gros pour être absorbée par le corps. Donc le corps tente sans cesse quand même de les absorber, et comme il peut pas, il les recrache. Il prend, il recrache, il prend, il recrache. Alors, bien sûr, c'est pas du vocabulaire scientifique que j'utilise là, je vulgarise pour qu'on comprenne tous. Donc ce pigment qui est sans cesse avalé, recraché par le corps, forcément, il n'est pas recraché exactement au même endroit. Un trait qui était extrêmement fin au départ, eh ben, il va légèrement hop, se décaler avec le temps et donc fuser. Bien sûr, le tracé fuse moins si d'abord il est correctement piqué, de manière régulière, pas trop profonde parce que ça accentue ce phénomène, mais pas trop en surface non plus parce que sinon il aura tendance à s'effacer. Mais il faut savoir que même si tu trouves quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'art du tatouage, malheureusement, ce phénomène naturel, il se produit à chaque fois, donc il faut aussi accepter les imperfections qui font partie du fait main. D'autre part, il y a notre peau qui change aussi. Forcément, plus on va avancer en âge, plus notre peau va présenter des irrégularités. Elle va par moments se distendre, par moments être plus sèche, et donc forcément, le tatouage, il est impacté aussi par ça. Ce qu'on va conseiller pour un tatouage qui donne au mieux malgré les années, c'est de faire des motifs où les tracés ne sont pas trop rapprochés pour prévenir au mieux ce vieillissement. L'idée, c'est que si deux tracés sont trop proches et qu'ils s'épatent avec le temps, ils vont finir par se coller et ton tatouage, ton motif sera totalement illisible. Alors que si on prend un peu plus de place pour le réaliser, tu as plus de chances d'avoir un joli dessin dans 10, 20, 40, 50 ans.